وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Nous continuons, inshallah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'explication des chapitres du Coran. Nous allons commencer aujourd'hui, inshallah, l'explication de Sourate Al-Shams. الله تبارك وتعالى دي بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Donc le basmala, toujours on le répète, Bismillahirrahmanirrahim, c'est un verset parmi les versets du Coran, mais qui n'est ni dans Surat al-Shams, ni dans Surat al-Balad. C'est un verset à part entière, qui est seul. Chaque basmala, c'est des versets à part entière entre chaque chapitre du Coran. Au début de chaque chapitre du Coran, sauf Tawbah, entre l'Anfal et Tawbah, car les Sahaba n'ont pas mis la basmala ici. Et si ça faisait partie du Coran, Allah tabaraka wa ta'ala l'aurait préservé, l'aurait cité, et les Sahaba, ils l'auraient cité. Naam. Wa shamsi wa duhaha, comme on l'a vu dans plusieurs sourates auparavant, le seul qui a le droit de jurer par ses créatures est Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala jure par le soleil et sa clarté. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا Puis par la lune quand elle suit le soleil. Donc on voit ici qu'Allah tabaraka wa ta'ala jure par le soleil et sa clarté, la lumière qui en sort, la chaleur qui en sort. Car tous les bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mis dans la lumière et la clarté du soleil, beaucoup de bienfaits pour l'être humain. Il y a à travers la lumière du soleil et la clarté des bienfaits matériels et même des bienfaits religieux. Par exemple, pour connaître les horaires de salat, avec l'ombre et différentes positions, quand par exemple c'est le fajr à l'horizon, reconnaître les lueurs du soleil qui commencent à apparaître à l'horizon, al-dhuhr, quand le soleil quitte le milieu du ciel, al-asr, etc. Aussi, cette clarté et la chaleur et la lumière qu'Allah tabaraka wa ta'ala il a fait sortir du soleil, et cette clarté-là, tous les êtres humains et tous les êtres vivants, ils en profitent. C'est la cause de, comme vous savez, d'illuminer la vie en général. Elle a besoin de la lumière, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala, pour que les plantes elles poussent, pour que les animaux y vivent, pour l'oxygène, pour quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça Allah tabaraka wa ta'ala, quand il jure par certaines créatures, c'est pour montrer la valeur et le besoin de l'être humain, que l'être humain a de ces créatures-là, et que c'est un bienfait d'Allah. C'est un signe parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce soleil. Et cette clarté, cette lumière qui émane du soleil. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا Et par la lune, quand elle le suit. Quand elle le suit, la lune, elle suit le soleil en plusieurs points. Premièrement, la clarté de la lune, elle n'est visible que quand il n'y a plus la clarté du soleil. N'est-ce pas? Quand la lune est présente
et que la clarté du soleil, la lumière du soleil est là, on ne voit pas la lumière de la lune. Donc la lumière de la lune suit la lumière du soleil. Les savants ont dit aussi, et par la lune quand elle le suit, c'est que dans les positionnements de la lune tout au long de son cycle lunaire, son cycle lunaire il commence au Maghreb. Puis, à travers les jours du mois, il suit et il va après jusqu'à le lever. Donc, ils ont dit ça aussi, c'est un des sens pour dire par la lune et quand elle suit. C'est-à-dire, elle le suit premièrement dans le fait qu'elle prend des positionnements qui vont de son coucher à son lever, et elle le suit dans le fait que la lumière de la lune et la clarté de la lune, elle n'est visible et elle n'est vue que après la disparition de la clarté et de la lumière du soleil. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. Et par le jour, quand il éclaire, et par la nuit, quand elle enveloppe quoi? La terre. Donc là, on voit Allah Ta'ala qui donne les opposés. Le soleil, la lune, la nuit. Le jour, quand il éclaire quoi? Quand il éclaire la terre, tout ce qu'il y a comme vie sur la terre. Quand il fait jour, tout est jali, tout est clair, tout est visible. On peut observer les choses. On peut voir les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces choses. Et d'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala, elle dit que parmi ces signes, il y a le soleil, la lune, le jour et la nuit. Donc, tous ceux-ci sont des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala commence ici par énoncer ces signes-là. Donc, le jour, quand il montre tout, il éclaire tout. Et quand la nuit, elle couvre tout. Comme une couverture. Tout ce qui était visible, maintenant, on ne le voit plus. Et elle vient recouvrir la terre comme une couverture qui vient recouvrir progressivement une personne ou un endroit. Et ça, on peut le voir, subhanallah, clairement quand on prend l'avion. Quand on prend l'avion et on voit la nuit qui arrive comme ça sur les endroits qu'on survole. Et on voit vraiment clairement qu'elle voit, elle vient comme une couverture qui vient la couvrir. Naam. Puis Allah Ta'ala il dit, et par le ciel... وَمَا بَنَاهَا on peut le comprendre en deux sens. Si ça revient à Allah tabaraka wa ta'ala, وَمَا بَنَاهَا c'est dans le sens d'un وَمَنْ بَنَاهَا celui qui l'a construit. C'est-à-dire Allah ta'ala il jure par le ciel et celui qui l'a construit, c'est-à-dire par lui-même, subhanahu wa ta'ala. Ou bien on peut le comprendre, وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا par le ciel et par ceux qu'il a construit, c'est-à-dire comment il a fait tenir le ciel. La manière dont il a fait tous ces cieux qui tiennent les uns sur les autres. Donc les deux sens sont, peuvent être justes dans, concernant ce verset. Et on voit comment Allah tabaraka wa ta'ala, il a le fait le ciel qui est au-dessus de nous, qui est parfait. Quand tu le regardes, tu ne vois pas de faille, tu ne vois pas d'imperfection. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, il l'a fait parfaitement pour l'être humain. Et il nous a préservé avec ce ciel-là, subhanahu wa ta'ala. Il préserve l'oxygène qu'on respire, etc. Les lumières du soleil, avec tout. Si on veut dénombrer les bienfaits d'Allah, on ne pourra jamais les compter. Mais l'être humain, il est comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, certes l'être humain il est injuste et il est très ingrat. Et c'est là on voit en vérité, quand Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de tous ces signes qui sont autour de nous, c'est pour que l'être humain médite et voit les signes d'Allah autour de lui et qu'il comprenne la miséricorde, la grandeur, la générosité de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qui a tout préparé sur cette terre pour lui. Et la terre, et comment il l'a étendue, ou bien, et par celui qui l'a étendue, comme on a dit tout à l'heure. Pareil, si la terre n'était pas aplanie, pour que l'être humain puisse marcher dessus, voyager, semer, planter, récolter, il puisse faire paître les troupeaux, construire. Comment, imaginez-vous, la terre, c'est que des bosses. Partout, des petites bosses qui montent, qui descendent. Tu ne peux pas faire un pas, tu tombes dans un trou, tu remontes. Comment tu vas faire? Allah Ta'ala, il a aplani la terre. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a fait la terre aussi d'une structure qui est profitable à l'homme. Ni trop rigide, ni trop souple. On peut planter dedans, mais on peut marcher aussi dessus. Imagine, toute la terre, c'est comme des sables mouvants. Partout où tu marches, tu t'enfonces. Hein? Comment tu ferais? Ou bien toute la terre partout, c'est que comme de la roche. Tu ne peux rien planter. Comment tu ferais? Mais Allah Ta'ala, il a fait, subhanallah, le juste milieu. Exactement ce que l'être humain, il a besoin. Pour pouvoir vivre, pour pouvoir planter, pour pouvoir récolter, pour pouvoir faire tout ce dont il a besoin. Pour creuser, pour faire des bâtisses et les monter en hauteur. Naam. Et par l'âme, et celui qui l'a harmonieusement façonné.
ou bien par l'âme et ce qu'Allah il a mis en elle. Cette âme aussi est un signe parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas plus caché, plus imperceptible que l'âme. Je veux pas comment tu... Et pourtant, elle est rapide, il y a des sentiments qui sont attachés à elle, le souci, la joie, la peine, toutes ces choses-là qu'Allah tabaraka wa ta'ala il a liées à l'âme. Cette âme qui est imperceptible, tu l'enlèves du corps, ce corps il est plus vivant. Il n'a plus de vie en lui. Ça aussi c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment l'être humain, il est fait de chair et d'âme. Qu'est-ce que c'est cette âme? Comment Allah ta'ala il l'a faite? Il n'y a personne qui connaît la réalité de son essence, comment elle est. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a mis dans l'être humain et il lui a donné vie. Et combien de sentiments et combien de réactions sont attachées à cette âme-là? Personne ne peut cerner la réalité de l'âme. Même bien la comprendre. Les koufars, là, les psychologues, les je ne sais quoi, ils ont essayé de faire toutes des études. Hein? L'être humain, c'est complexe, c'est je ne sais quoi, c'est, hein? Ses rêves, ses ambitions. C'est... Et à la fin, ils ont raconté que des bêtises. Parce qu'ils ne sont pas éclairés par la lumière du Coran. Donc ils ont dit des contradictions, des choses même qui sont graves. Non. Cette âme est ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui l'a façonné harmonieusement. Wama sawaha, on peut le comprendre aussi dans deux sens. Dans le sens que c'est Allah il a juré par lui, celui qui a façonné cette âme harmonieusement. Ou bien wama sawaha, c'est-à-dire de la manière dont il l'a façonné. Qu'est-ce qu'il a mis dans cette âme? Dont on a tout ce dont on vient parler et d'autres choses. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Et lui a alors inspiré son immoralité de même que sa piété. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala a cité d'abord l'immoralité. Mais est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala, il appelle à quelque chose qui n'est pas bien? Non. Donc quand on dit qu'Allah, il lui a insufflé, il lui a inspiré son immoralité, c'est dans le sens que quand Allah sait d'une personne qu'il est mauvais, il lui rajoute de l'égarement. Quand quelqu'un, Allah Ta'ala, sait de lui que dans son cœur, il n'accepte pas la vérité ou qu'il n'est pas prêt à la suivre, alors Allah l'égare. Comme Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans le Coran, et quand ils se sont égarés, Allah a égaré leur cœur. Dans d'autres versets, celui qui sait qui cherche l'égarement, nous lui rajoutons de l'égarement. C'est-à-dire celui qui ne veut pas suivre la vérité, celui qui n'accepte pas la vérité, celui qui cherche les passions, celui qui cherche l'égarement, Allah lui rajoute de l'égarement. Subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah tabaraka wa ta'ala a cité d'abord l'immoralité chez l'être humain, c'est que, en général, et dans la grande majorité, l'être humain est injuste envers lui-même et envers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit en parlant de l'être humain, nous avons exposé ce dépôt aux montagnes et aux cieux et à la terre et ils ont refusé de l'accepter. Mais l'être humain l'a accepté car il est certes très injuste et très ignorant. La base chez l'être humain c'est qu'il est injuste, ignorant et injuste. Et il sort de cette injustice-là en apprenant et en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette base-là, elle change quand la personne, elle apprend, alhamdulillah, à obéir qui est Allah tabaraka ta'ala, qu'est-ce qu'Allah lui a demandé, et à plier son âme bestiale à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ici, Allah tabaraka ta'ala, il a mis en l'être humain ces deux côtés-là, le bon et le mauvais. Tout le combat de l'être humain toute sa vie, c'est de renforcer le bon côté et d'affaiblir le mauvais côté. Celui qui se laisse aller à ses penchants, à ses passions, à l'égarement, à ses sentiments, alors celui-là, il va faire que renforcer le mauvais côté, son bon côté, et son âme va se souiller et se souiller jusqu'au point où, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, son cœur va être noir comme du goudron. Il ne reconnaîtra plus le bien du mal. Sauf ce qui est concordant avec ses passions. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a donné l'exemple de cette personne comme un verre mis à l'envers, retourné. Un verre, un récipient, peu importe sa taille, même un conteneur. Si tu le retournes à l'envers et tu verses dedans de l'eau ou du lait, est-ce qu'il y a une goutte qui peut rentrer dedans? Rien.
Quelqu'un aussi qui son cœur il est devenu fermé, il a beau entendre les rappels, le bien il a beau venir vers lui, il n'y a rien qui rentre dedans. Parce que c'est comme un verre retourné. Et ça c'est à cause des péchés. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, certes non, nous avons clôturé, fermé leur cœur à cause de leurs actes. نعم فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها a certes réussi celui qui la purifie. التزكية elle vient dans un bon et dans un mauvais sens. Quand Allah Ta'ala dit dans le Coran فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Et ici il dit قد أفلح من زكاها. Dans un il dit ne faites pas la tazkiya de votre propre personne, c'est lui-même qui connaît qui sont les plus pieux. Et ici, Allah tabaraka wa ta'ala dit, certes a réussi celui qui l'a zakki. Il utilise le même mot. L'un veut dire l'éloge. La tazkiya veut dire l'éloge. Et ici, cela veut dire purifier. Donc quand Allah ta'ala nous interdit, c'est-à-dire ne vous faites pas des éloges vous-même. Dis pas je suis comme ça, je ne suis comme ça, je suis pieux, je suis bien. Allah Ta'ala lui dit فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ne vous faites pas des diplômes d'éloge à vous-même. Allah Ta'ala, il sait mieux qui le craint. D'ailleurs, ça c'est détestable pour un musulman de se vanter et de se faire de se couvrir d'éloge lui-même. Mais ici, c'est dans le sens de se purifier. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّى. Certes, a réussi celui qui a purifié son âme. Comment il l'a purifié? Il la purifie premièrement du shirk, du polythéisme, majeur et mineur. C'est la première chose dont on a besoin de se purifier. Il la purifie des innovations, des bidah. Il la purifie des penchants, des passions. Il la purifie des péchés, des maladies du cœur, comme la jalousie, comme la haine, comme l'orgueil, comme toutes ces choses-là. Tout ceci rentre dans le sens purifié. Et l'erreur dans laquelle sont tombés certains, et beaucoup même de musulmans, subhanallah, ils ont limité la purification de l'âme au comportement. Être généreux, ne pas haïr, ne pas, etc. Et ils ont oublié l'essentiel qui est le tawhid. Ce pourquoi tous les messagers ont été envoyés, qui est la base pour laquelle tous les messagers ont été envoyés, et qui est la première chose dont on doit purifier nos cœurs, qui est le shirk. Donc avant tout, c'est se purifier de tout polythéisme et associationnisme. Majeur, puis mineur, comme l'ostentation. Et purifier son âme de toutes les maladies du cœur. L'avarice, la jalousie, la haine, l'orgueil, mépriser les musulmans, mépriser les autres. Tout ceci sont des maladies dangereuses et mortelles pour le cœur. Donc ici Allah nous informe, après avoir juré par toutes ses créatures, par le soleil et sa clarté, par la lune qui le suit, le jour qui éclaire, par la nuit qui couvre, par le ciel et celui qui l'a construit, par la terre et celui qui l'a avili, et par l'âme et comment Allah il l'a façonné, subhanahu wa ta'ala, par tout cela, et par l'âme et ce qu'il a façonné, et Allah tabaraka wa ta'ala a juré par toutes ses créatures juste pour dire quoi? Certes a réussi celui qui purifie son âme. Donc ça montre l'importance. C'est comme si Allah Ta'ala il jurait 7 ou 8 fois de suite. C'est comme si je te dis Wallahi, 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 celui qui a réussi, celui qui se purifie. C'est-à-dire comment? Si j'ai insisté autant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est important. C'est-à-dire ce que je vais te dire après, j'ai juré autant de fois. Il faut que tu prennes attention. Il faut que tu donnes une grande attention à cette chose-là. Et effectivement, l'être humain, il est sur cette terre pour cela. Il est là pour se purifier, pour purifier son âme du shirk, de l'égarement, des péchés, des maladies. S'il a oublié ce pourquoi il est là, alors il a perdu sa vie. Il a perdu son temps. Et il va se retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala parmi les perdants. Et c'est le sens où Allah tabaraka wa ta'ala dit « Qad aflaha » Man zakkaha wa qad khaba man dassaha. A réussi certes celui qui la purifie et est perdu certes celui qui la corrompt. Comment il va la corrompre? Avec le shirk, le polythéisme, avec les péchés, avec les bid'ah,
avec les innovations, avec les maladies du cœur, en suivant ses penchants, en suivant ses passions. C'est comme ça qu'il corrompt son âme et qu'il sera parmi les perdants. C'est qui le perdant ? Dans le langage chez nous, c'est quoi un gagnant, un perdant ? Ah, il a perdu son travail. Ah, il a perdu. Hein. Aujourd'hui, il n'a pas fait beaucoup d'argent au marché, dans son commerce. Ah, il a perdu, il n'a pas gagné. Hein, il a perdu un peu de somme d'argent, il a perdu. Ou ceux qui sont dans le haram, il a perdu au jeu d'hasard. Hein? Ou ceux qui, mashallah, qui donnent de l'importance au sport. Ah, il a perdu, ils ont perdu le match. Qu'est-ce que c'est ça, ikhwa ? Il a perdu quoi ? Wallah, il n'a rien perdu. Il a perdu son temps et son argent en réalité. En vérité, il a perdu, oui. Il a perdu son temps et son argent. Il n'a rien perdu, sinon. Le perdant, Allah Ta'ala, il désigne qui est le perdant. Dit, les perdants, ce sont ceux qui se sont perdus, eux et leur famille, le jour du jugement dernier. Voilà la perdition évidente. Wallah, tout ce que tu peux perdre dans ce monde, c'est rien. Ça n'a aucune valeur. Et c'est pour ça, le vrai croyant, il est heureux de ses hasanats et il est malheureux de ses péchés et de ses sayyi'ats. Comment quelqu'un est triste s'il perd un portable à 700 ou 800 euros ? Le souci qu'il va avoir, il va courir partout pour le rechercher. Mais tu perds la prière en groupe, ça ne te fait rien. Tu perds ta lecture du Coran habituel, ça ne te fait rien. Tu perds l'adhkar du matin et du soir, ça ne te fait rien. Tu perds l'occasion d'aider quelqu'un et de gagner des hasanats, ça ne te fait rien. Wallah, et là, tu as perdu. Tu as perdu quelque chose que tu ne pourras pas revenir, tu ne pourras pas rattraper. Une occasion de faire du bien, tu l'as eu aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui, tu ne pourras pas la rattraper. Peut-être d'autres se présenteront devant toi. Si Allah t'a écrit encore de la vie, on ne sait pas. Mais celle d'aujourd'hui, c'est fini. Cette occasion qui est passée, tu ne pourras pas la rattraper. C'est lui le perdant. Et alors, ici, Allah tabaraka wa ta'ala rappelle cela. « Qad aflaha man zakkaha » A certes réussi celui qui l'a purifié. « Wa qad khaba man dassaha » Et a certes perdu celui qui l'a corrompu. Naam. Puis Allah tabaraka wa ta'ala nous parle du peuple de Thamoud. « Kadhabat Thamoud bi tagwaha » Le peuple de Thamoud, c'est un peuple qui vivait de Al-Hijr et dont le prophète Salih a été envoyé pour eux. Parmi les signes qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a envoyé, c'est une chamelle qu'Allah ta'ala les fait sortir de la roche. Et Salih, alayhi salam, il leur a dit, laissez-la boire un jour et vous, vous buvez un jour. Chacun son tour. Et elle buvait un jour et tous, ils venaient profiter de son lait à profusion pour tout le monde. Et ils avaient l'ordre de ne pas lui faire de mal, de la laisser aller sur terre, aller où elle veut. C'était un signe d'Allah, c'était une épreuve pour eux. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dit ici, Thamoud, ils ont traité de mensonge à cause de leur transgression. Idim ba'atha ashqaha, lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chamelle. Effectivement, Allah tabaraka wa ta'ala, il les avait mis en garde de ne pas tuer la chamelle, de ne pas lui faire du mal, et ils ont ordonné au plus misérable d'entre eux, c'est-à-dire le plus grand mécréant parmi eux, qui avait traité de mensonge Salih et qui avait traité de mensonge ce à quoi il appelait, il s'est levé pour la tuer et il l'a fait. Ils se sont mis d'accord, certains ils ont ordonné et l'autre il a mis en pratique l'ordre. Naam. Kadhabat Thamudu bitarwaha, idhim ba'atha ashqaha, faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Et Allah Ta'ala dit ici, le messager d'Allah, donc ici il parle de Salih, alayhi salam, on leur avait dit, la chamelle d'Allah, laissez-la boire. Donc l'ordre, comme il est venu dans d'autres versets, laissez-la qu'elle mange sur la terre d'Allah. Donc c'était une épreuve pour eux. Chaque peuple, ils ont eu leur épreuve, leur signe et leur épreuve. Et bien sûr, ils n'ont pas écouté. إِذِمْ بَعْثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقِيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. Non. Mais ils le traitèrent de menteur, donc il les a bien prévenus, il les a mis en garde, mais ils l'ont traité de menteur, comme tous les peuples qui ont traité de menteur leurs messagers et qui n'acceptaient pas les signes avec lesquels ils étaient envoyés. Et ils la tuèrent, ils ont tué la chamelle. Alors, par la cause de cela, ici, fa,
فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. Donc tous les faits ici, ça montre l'ordre des choses et les causes à effet. Ils ont traité de mensonge, alors ils l'ont tué, alors à cause de leur péché, à cause de cela, Allah Tabaraka wa Ta'ala, leur Seigneur, les détruisit, donc pour leur péché, et étendit son châtiment sur tous. Donc quand ils n'ont pas écouté, ils étaient étalés sur le sol avec un cri. Un cri, ils sont tous morts. Donc imaginez-vous les armées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala, s'il veut châtier un peuple, il châtie comme il veut. Et certes, ton Seigneur n'est pas injuste envers tes serviteurs. Ce châtiment, ils l'ont mérité. Et les malheurs qui nous arrivent, tous comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, il n'y a pas un malheur qui vous touche sans que ce soit à cause de ce que vos propres mains elles ont acquis. Et Allah, il pardonne encore beaucoup. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans d'autres versets, il dit, quand on veut détruire une cité, nous ordonnons, les gens qui vivent dans le luxe, on leur ordonne d'obéir à Allah. Donc il y a une qira'a, il dit amarna, ça veut dire on leur ordonne. Il y a une autre explication, c'est amarna, c'est-à-dire qu'on donne le pouvoir de ces cités-là à qui? À tous ces transgresseurs qui vivent dans le luxe. Ils transgressent dans cette cité-là, donc ils méritent la décision d'Allah qui les châtie, et on détruit cette cité d'une grande destruction. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, jamais il ne châtie des gens ou des cités injustement. Mais ces cités-là, ces gens-là, ils ont mérité le châtiment à cause de leur péché. Comme ici, ils ont désobéi à Allah tabaraka wa ta'ala, ils ont traité de mensonge le messager, et ils ont tué la chamelle alors qu'il leur avait été demandé de ne pas la toucher. Alors Allah ta'ala a envoyé un crieur qui a crié une fois, ils sont tous tombés au sol, jathimin. Comme si ils n'ont jamais existé auparavant. Ils sont tous morts. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقَبَاهَا. Et Allah n'a aucune crainte des conséquences. Un roi parmi les rois de ce bas monde, quand il attaque une cité, ou quand il punit des gens, il a toujours la crainte qu'un jour ou l'autre il se venge. Il prend des armées pour le garder, il fait attention. Il sait qu'il y a des gens maintenant qui lui en veulent, n'est-ce pas? Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est lui le suprême dominateur de cet univers, de cette terre. Donc il détruit les peuples qui le méritent, et il n'a nulle crainte des conséquences, subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui le suprême dominateur sur ses créatures. C'est lui le suprême dominateur au-dessus de ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qu'on peut dire de cette sourate, en résumé. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.